Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour le moment on est en Croatie, mais avant ça on a traversé plusieurs pays magnifiques dont le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie pour arriver enfin en Croatie. Alors la route a été longue, mais les paysages étaient juste magnifiques. On n'a eu aucun souci aux frontières. Pour la Croatie, on a juste montré nos papiers, mais pour les autres, aucun souci. Et on est arrivé sur un superbe spot qui était à Slatine. Bah, je vous laisse tout découvrir dans cette vidéo. Bisous à tous et bonne découverte! On allait repartir et puis tout d'un coup, on a des invités un peu spéciaux qui ont débarqué. Je vais vous montrer. Ça fait du bruit, ils font du bruit et ils mettent de la flotte partout. Il y a les pompiers qui sont venus faire un exercice juste à côté. Donc voilà, je sais pas si c'est courant en Allemagne. Ici on est en Allemagne, à peu près du côté de Stuttgart. Vous allez avoir le contre-jour, mais ils sont là. Ils ont sorti la grande échelle. Là-bas, ils ont balancé de l'eau. Je sais pas si je suis allé voir ce qu'ils font. Moi, à mon avis, ils font un petit exercice ou quoi. Voilà. Hop, ils sont là-haut. On va essayer de ne pas les déranger. Parce que c'est quand même une grosse, grosse machine. Hop, on est sur un petite aire de la commune. Et regardez les deux commères là-bas qui sont aux premières loges pour regarder ce qui se passe. Voilà. Coucou. Coucou toi. Tu regardes les gros camions? Il y a les pompiers qui sont là? T'as fait une grosse proute et les pompiers ont dû débarquer? C'est ça, hein? Ou c'est encore maman qui a foutu le feu au camping-car? Même pas. Ça y est, on va être arrosé. Une balance de la flotte. Ouais, ça fait une belle trace, hein. Pour leur demander de nettoyer le camping-car, peut-être. Donner un bon coup. Ah, on prend l'eau sur la tronche. Le film. Bon, on est en Autriche. Première impression. Première impression de l'Autriche. Google nous a fait passer par tous des petits chemins. On a tapé un arbre, mais ça va, on n'a pas de dégâts. On a eu un peu peur au passage de la frontière parce qu'il y avait la douane, la police et tout ça. Mais ils nous ont fait circuler, circuler, circuler. Donc on est passé sans contrôle, sans rien. Encore une fois. Voilà. Ils ont fait une petite pause au parc pour que tout le monde se dégourdisse les pattes, les bébés, les adultes, les chiens. Les toutous. Les toutous. Maya, Tosh. Ça va les toutous? Bon, et bien là on est en Autriche. Désolé pour le son parce que bon voilà, le bruit du moteur. Mais là on est sur les routes autrichiennes et on s'en prend plein les yeux. C'est juste magnifique. Il y a encore de la neige au sommet des montagnes, c'est une claque. C'est juste magnifique. T'aimes pas être filmé? Non. Oh. Toujours plutôt la montagne. Oh. Julien est un grand timide. Regardez ça, les gars. Plein de sommets enneigés, c'est juste. C'est juste magnifique. Y a rien à dire, quoi.
Bon, et bien là, ici, on est en Slovénie. On y est arrivé hier soir très très tard. Donc, on a pris notre temps ce matin et là, on profite un peu. On n'avait pas vu qu'on s'était garé près d'une plaine de jeux. Donc, voilà. En plus, elle est super jolie. C'est hyper bien entretenu. Petit toboggan, tout ça. Il y a Goliath dans le fond. Juste là. Elle kiffe la balançoire. Je t'avais dit que ça passerait pas. J'ai essayé de te le faire comprendre gentiment, mais. Prends ma chérie. Regarde. Elle en perd ses lunettes. On se demande ce qui c'est qui s'amuse le plus, hein, si c'est maman ou si c'est bébé. Une seconde jeunesse, hein, qu'est-ce que tu veux? Alors là, ici, on est en Slovénie. C'est très vallonné. Ça monte, ça descend, il y a des beaux virages. Ça tourne. Il y a des paysages juste époustouflants. C'est. Vous voyez par vous-même, c'est juste magnifique. Voilà. De la verdure et des montagnes à perte de vue. C'est. Et puis l'eau. L'eau, elle est pas bleue, elle est turquoise. Elle a une couleur tellement. Wow. Je sais pas si c'est vert, si c'est bleu, si c'est droit, je sais pas. C'est juste magnifique. On a envie de s'y baigner. Puis là, les montagnes. Ah franchement là j'en prends plein les yeux moi depuis Personnellement je connaissais pas ce pays. C'est énormément connu par ici en Bolivie. Ouais clairement quoi. Même quitte par la suite à faire un mois rien qu'ici ou faire l'Autriche, Slovénie par exemple. L'Autriche aussi c'est vrai. Parce que là aussi c'était super beau quoi donc là c'est gros coup de cœur parce que c'est super vert, c'est magnifique quoi, c'est... Et puis en plus il y a vraiment le contraste avec notre pays qui est un petit pays où on a l'impression d'être tous entassés et là en fait il y a de l'espace, il y a des maisons plic-ploc en plein milieu de la végétation, en plein milieu des montagnes, c'est la même chose en Autriche. Et non, c'est une autre vision du monde. Notre vision de la vie. J'adhère. Voyez ça. Aïe 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 aïe. C'est trop beau, il y a des vignes. C'est une maison là, perdue. Ouf, sur les collines, sur les hauteurs. J'ai fait me casser la tronche.
très chaud, donc c'est le seul moyen de la calmer. Hein, de l'eau sur un petit torchon, et puis elle fait sa vie. Voilà. Hein? Hein? Ça fait du bien le petit torchon? Ah ouais. Ouais, hein, fait chaud, hein. Salut à tous! Bon bah j'ai une gueule de déterré parce qu'on vient de se réveiller, mais je voulais absolument vous montrer notre petite piscine. Donc vous voyez, Goliath est juste derrière. Hop, Goliath est juste derrière nous. On a des petits voisins. Mais on a une piscine d'enfer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon bah voilà notre piscine, hein, les gars. Si c'est pas merveilleux. Donc là ici on est du côté de Split. En fait il y a Split qui est juste en face. Et nous on est à Saline, si je me trompe pas. Donc Split est juste en face. Donc on sait pas encore trop ce qu'on va faire. Si on va passer notre journée là pour nous reposer un petit peu. Surtout pour Julien qui a fait de la route. Comme lui qui a conduit tout le temps. Ou si on va jusque Split visiter. Ou si on fait ça demain. Donc voilà, voilà. Regardez comme c'est beau, c'est clair. Je crois que je vais faire un petit plongeon tantôt. Voilà, c'est la fin de nos aventures, en tout cas du tout début. N'hésitez pas à nous suivre pour les prochaines vidéos croates cette fois. À tout bientôt, ciao ciao.